Bonjour à tous, merci de vous rendre disponible pour cette vidéo panoramique d'une serre Family 22 à 360 degrés. Donc l'objectif c'est de vous montrer la serre dans toutes ses coutures, vous présenter les différents modules. Alors vous pouvez vous déplacer à l'aide de votre souris sur les côtés et dans toutes les directions. C'est une vidéo 360. Alors, le premier module que l'on voit dès l'entrée de la serre, c'est le module confort avec ses doubles portes qui permettent d'avoir une ouverture ergonomique et la toile d'ombrage qui permet de protéger la serre et les plantations pendant l'été. Cette protection permet d'être déployée comme ça assez facilement et ça crée un voile d'ombrage qui va protéger contre le soleil, contre les fortes pics d'ensoleillement la serre. Le module AeroSpring qui en fait est une tour AeroSpring à part entière qui aura sa position dans la serre mais qui pourra aussi avoir sa position à l'extérieur. Le module PermaPlus avec ses bacs auto-irrigants avec ses 4 couches. Donc on a une réserve d'eau en bas ici qui permet d'avoir quasiment un mois d'autonomie en eau en moyenne. Une première couche de terreau organique, de biochar, de vermicompost et de BRF sur le dessus pour protéger les cultures. Les tours de culture verticales. Les ouvertures automatiques ici qui s'ouvrent automatiquement quand il fait chaud et se referment quand la température rebaisse. Un kit d'étagère ici. On voit que la toile d'ombrage est également disponible sur le fond de la serre. Le poêle à granulés, lui, est le module hiver avec sa cheminée. Alors, je vais le montrer par extérieur avec son chapeau. Ça sert à principalement cultiver en hiver, mais aussi pouvoir transformer la serre en espace d'accueil pour l'hiver, pour pouvoir lire un livre, déjeuner dans la serre, par exemple. On remarque également la présence d'une table de manutention qui sert à poser ses tours de culture pour les charger et décharger dans une position ergonomique. Alors on va poser la tour ici et on va pouvoir mettre les végétaux directement dessus. On voit que la serre a pu être aménagée avec un petit espace d'accueil également. Alors, j'espère que ce tour interactif rapide vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Et je continue avec un dernier tour panoramique de la serre. Je vous remercie pour votre attention. Notre équipe se tient à disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à très bientôt. Johan Nazarali, cofondateur de MyFood.